sur ces trottoirs en Seine-Saint-Denis, voici ce qu'il est fréquent de trouver à ses pieds. Des capsules de protoxyde d'azote. Un gaz en vente libre dans le commerce, surnommé le gaz hilarant. Ici en Île-de-France, ce sont principalement des adolescents qui en consomment en ingérant ce produit dans un ballon. L'euphorie dure moins d'une minute. Les effets, t'as la tête qui tourne un peu, tu rigoles, tu sais pas pourquoi tu rigoles. En touchant la gorge et le cerveau, le gaz peut provoquer des cas d'asphyxie, de perte de connaissance et de détresse respiratoire. Plusieurs communes, comme ici à Périgny-sur-Yerres, ont donc décidé d'interdire la vente de ce gaz aux mineurs. Ils peuvent se le procurer aujourd'hui en supermarché, ce qui est extrêmement grave parce que c'est au prix, la petite capsule est au prix de 40 centimes. Donc n'importe quel enfant en bas âge peut aller au supermarché, se l'acheter. La consommation de ce gaz hilarant semble avoir augmenté avec le déconfinement. L'année dernière, une trentaine de cas graves a été recensée.